Des heurts ont opposé tôt ce dimanche des manifestants à la police en Géorgie, à Tbilissi. Le policier au volant de cette voiture aurait pu beaucoup plus mal finir. Plusieurs personnes ont été blessées. La police a tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Les militants qui ont passé la nuit dans le centre de la capitale géorgienne demandent la démission du président Mikhail Saakashvili, qu'ils accusent de dérive autoritaire et de corruption. Hier, une manifestation contre le président géorgien a réuni 10 000 personnes à Tbilissi.